Avant... Ah bah le match vient de se lancer. Le match va se lancer. J'arrive, j'arrive, j'arrive. Il me dit et je le relance dans la foulée. Alors il y a j'en trois profite. prix tag. Ah vas-y, vas-y. Bah vas-y, vas-y, non, vas-y, n'hésite pas. Tu peux relancer dans l'heure là du coup. Bah là on peut voir que 3 protect automatiquement de l'équipe rouge. La résilience éco, c'est ça? Ouais c'est ça. Non c'est c'est Somnium la rouge. Somnium, d'accord. Ils ont inversé le lancement du défi. Ils ont inversé. Donc oui. Le crack est vachement avancé. Et peut-être une stratégie là. Ah ouais. Oh, la la récuté, hein. Ah, oui. Ça me rappelle quelque chose, ça. Shanghai, ça. Ouais. Shanghai. Au niveau des modes, d'ailleurs, on a un upper feu, un steamer qui joue sur un mode feu, un crack qui joue plutôt sur un mode. Un mode haut red PA. Je cherchais le truc. L'héliotrope qui joue sur un mode. Oh, avec les repos comme ça, ça ressemble à un mode feu quand même. L'Eniripsa qui joue sur un mode feu également, classique. Et les Kaflip qui joue lui sur un mode. Je crois que c'est aussi un mode feu en vrai. Donc. Cool bobo, oh, offensif oui. Les. Défensif les bleus, ouais. Offensif les bleus, ouais. L'équipe de résilience qui s'est fait quand même brain pour... Ils s'attendaient à un hypermage d'Oppo. Ouh, mais le ils ont quand même 878. Hypermage feu qui fait pas mal de dégâts. Ils profitent du manque de faiblesse feu des teams généralement pour, ouais, pour faire des bons dégâts. Même si bon là ça va, 27% de plus bas ça reste net. Après il a crit sur la harpelle sur un perso qui a moins 35 récrit donc ça aide. Alors, l'Eka qui vient directement placer l'érosion, donc oui, non, c'est un EKO, hein, c'est juste moi qui me suis bourré, comme d'hab. Il fait des bons dégâts aussi, hein. Il met des claques, c'est sûr. J'attends Guérisseur qui soigne un petit peu les Niripsa en même temps. Ouh, maîtrise de l'arc carrément sur le père. Oui, vas-y, excuse-moi, je t'ai coupé. Du coup, le Kra, donc il va pouvoir placer une zone red. Non, il cherche son XP T1. Enfin, il peut quand même balise et double percu. Hein. Allez hop, percu 1, percu 2. Ça va faire des solides dégâts et ça va kill le chaton guérisseur au passage. Quand même, la stratégie de Somnium qui est assez claire. All in, comment ça s'appelle, les Miripsa. Ne pas donner le temps de respirer. Ouais. Et puis là, prochain tour, l'Uperfeu crée un banif qui est gratuit, qui peut passer directement sur encore sur les Merepsa avec les boosts du steamer. Et les Léliotrope, il peut quasiment rien faire quoi. Parce qu'au niveau portail, il est pas assez bien. Ils sont pas assez bien placés pour reculer l'Uper, mais bon, même avec la manif feu, il se déplace facilement quoi. C'est ça en fait, à chaque fois il va rentabiliser encore plus son sort avec le déplacement plus ses phases supplémentaires. Et pour répondre pour le piège GLM, en fait le problème du piège GLM c'est que il se debuff la réduction de 50% des soins avec juste un mot de jouvence de Lenny. Donc en fait ça va juste l'aider pour le tour de l'Eka mais c'est tout quoi. Si l'Eka a l'intention de soigner, donc c'est vraiment léger quoi. Ah voilà. Alors Lélio, du coup, qui va pouvoir se placer directement sur la manif, éventuellement pour empêcher la peur d'en profiter. Non, il va juste... C'est le compteur de soins qui va passer en négatif aussi. J'ai un problème, là. Faudrait que je vérifie ça. Oh, c'est pas... Ouh, les dégâts, par contre. Ah, il a pris la zone, il a fait des bons dégâts, là. Le peur qui tombe déjà à 3300 points de vie. Ouais, faudra pas sous-estimer les dégâts de... Les dégâts placés par... Astucieux, Lélio. Ouais. Non, c'est bon, l'overlay, c'est réglé, t'en fais pas, empereur. Ouais, il se répare tout seul. C'est un bon gars. Et du coup, le Lupermage qui vient de taper. Il debuff aussi, quand même. En même temps. Par contre, le son de la manif, c'est
Ah, c'est insupportable. Insupportable. Insupportable la manif. Oh putain. Ce petit bruit de fond à la coupe. Allez, les Caflips qui met les dégâts sur l'Upper Mage adverse. Bon, l'Upper Mage adverse est quand même plutôt encore assez safe, on va dire. Il est au-dessus des 3000 PV max, 2100 PV. Ouh, par contre, là, on a une belle zone. Le Cry, il va se faire plaisir. Les Caflips qui se placent. Oula. Le petit bruit, c'est la manif. Oui, le petit bruit d'aspirateur, là. Oui, c'est ça. C'est exactement ça. C'est la manif. C'est la manif. Cookie qui est en train de taunt Nate de manière assez violente. Oh, ce red PA de ce tour du Kraopti petit là. Voilà, après Lenny peut tranquillement prendre la zone sélective, tuer la balise de rappel. Voilà, il y a une zone sélective avec une zone. En vrai, il a tout intérêt à laisser la balise de rappel ici. Hein. Ça se voit, Astucieux et Nate, quand ils sont plus avec Slowey, ils sont nuls. Oh, vous êtes vache. Vous êtes vache. Par contre, l'Upper qui a 1700 HP. 3100 points de vie max. Alors, bon, là, le steamer va pouvoir tranquillement claquer son secourisme pour protéger la peur. Secourisme, aspi, blindage. Pour pouvoir proc les PV du bâti. Ah, oh, oui, blindage. Aspi avance, ça marche. Assistance avance. De quoi? Faudrait quand même qu'il place son Aven. Je crois que protéger son upper va peut-être être plus intéressant. Après, là, il peut juste blindage et. Non, il va préférer tacler. Il pourrait double flamish éventuellement. Il peut encore double flamish. Ouais, il flamish. Et ouais. Soupape, ça marche aussi. Lenny est dans leur camp, donc là, l'upper va pouvoir directement taper à travers si l'Hélio fait rien. Et là, l'Hélio, je vois mal ce qu'il peut réellement faire avec le chalutier comme ça. Libé. Il peut exode en vrai. Ouais, exode à travers la balise. Maintenant, est-ce qu'il veut profiter de ses portails aussi efficacement? Bah là, de toute manière, il a tout intérêt à essayer de poser son portail pour Pomukura, son. Pas Pomukura, n'importe quoi. Pour ramener les nids, je pense. Contraction, ouais. Ou alors, balancer l'upper. Ah, le full boost et l'interruption, ok. Ouais, il préfère rester safe et du coup préparer l'écart à un tour de burst. Les 3 chills sur la manif, voilà. Gamebreaker. Oui, là, par contre, son ennemi, il va prendre Bagdad. Hein. Clairement, ouais. Là, on a un upper à qui reste encore 11 PA, le volcan. Oh. Le coup d'arpel, il va piquer en plus. L'Eka va être obligé de protéger son ennemi, je pense, etc. Protéger son ennemi ou tuer l'upper, mais je pense que l'upper va pas être tué ce tour. Là, sur... Oh ouais. Oh, ça fait tellement plaisir de voir un upper jouer sur charge pour une fois. Il est pas si loin que ça de mourir, hein, le Lenny. 800, PV. 800 points de vie. La surcharge, mine de rien, faut pas la sous-estimer. En cumulé, il a qu'un événement qui mourra pas. La petite perception. La chance d'être ouais. Après, il reste 9. Ouais, bah voilà, la bonne étoile. Il peut éventuellement double Shengal sur Lenny. Ou chance des cas, carrément. Il va quand même faire des dégâts sur la paire, je pense. Il a une ligne de vue sur l'arc corrompu en. Voilà. Non, il est plus à pio, je crois. Il est haut. Juste droit, okay. Juste au droit. Oui, je suis con, il est haut, pourquoi je dis corrompu. Ouais. J'ai encore l'Eka de tout à l'heure en tête. Alors, le Kra. T'as pas le kill de Lenny là. Bah, il est en chance, hein. Il est sous chance, Lenny. Ouais, non, mais dans tous les cas, Ouais, c'est ça. Le Kra de toute manière a pas l'XP. Non, du coup, il a fait full retrait. On a un ennemi qui se retrouve à 8 PA, 6 sur l'Hélio, ça va être compliqué. Hein. Ah là là, c'est compliqué là cette affaire. Est-ce qu'il aurait pas dû représailler le Kral, Lenny? Je sais pas en vrai. Hein. Là, Lenny peut juste gratuitement sélectif pour poser les bêtes en même temps. Mais il aurait bien besoin de claquer Jouvence Prev, mais il a déjà claqué la Prev. Hein. Ouais, il peut juste espérer et serrer les fesses quoi. La récursivité pour isoler. Bon, l'avantage c'est que ça proc deux fois la bonne étoile plus les PB. Donc, bénef. Bénef la récu.
Ça va peut-être lui permettre de tanker en fait. Hein, en train de tilter. Bon, les portails qui sont directement lock par le steamer, hors de question qu'il bouge de là. T4, retour Odora et Expia, il va se faire plaisir. Ouais, clairement, là, le Kra, il va déboîter sévère au prochain tour, quoi. Donc, c'est pour ça qu'il faut protéger le Lenny. De la part de Stéliotrope, il va falloir faire un très beau tour, parce qu'on a que 7 PA, 6 PM. Bon. Et je dirais même qu'il va falloir être astucieux. Moi, je pense qu'il va reculer l'Upermage, non ? Même s'il peut revenir facilement, mais si tu le laisses avec 13 PA en face de Lenny. C'est vrai que c'est dangereux. Ok, on soigne son Eka Flip. C'est vrai que l'Eka avait pris des petits dégâts résiduels, donc. Ils sont. C'est pas ouf quand même, comme tour. Ouais, mais du coup, là, le peur va tuer le Lenny. Bah. Attendre LM. On il va pas le tuer, mais il va le laisser. Peut-être les ébènes va les tuer, quoi. Lenny a combien d'ébènes? Il en a 3. 4... Ah, mais Lenny est encore sous chance, c'est vrai qu'il est encore sous chance. C'est vrai, ah oui, ouais. Bah oui. Pin Shaver qui nous rappelle ça dans le chat. Et la rappelle, ouais, enfin, sous chance, passe quand même bien. Hein. Ça claque les petits dégâts quand même. Par contre, du coup, on a un Eka qui a 19 PA là. Hein. Ouais, mais il est à l'autre bout du monde. Non, il peut passer dans le portail. Il peut passer, ouais, enfin, dans tous les cas, il est pas. Ah non, il peut même pas passer dans le portail, il est attaqué. Il est entre chat ou bon du félin? Il a bon du félin, il me semble. Il pouvait juste Shengal sur le portail en fait. Et du coup, le chalutier est passé dans le portail et il était prêt. Et du coup, il a plus que 12 PA pour taper. Ouais, mais c'est surtout que du coup, il perd le craps. 10 PA, le Thor, la bonne étoile. Ok. On a un petit coup sur Vini. Il reste 2 PA pour la perception. Là, normalement, le Kra, il a l'Expia. Bah, il a l'Expia et il y a un Lenny qui est en dégâts. Il a absolu qui tombe. Lenny qui est sous, retour de chance. Ouais, ouais, ça qui voilà. On abandonne. On abandonne. Et du coup, c'est une victoire de Sticky Prouge. Ouais. 2-0, non. Shengal, variante infortune. Mais oui, j'avais complètement oublié.